Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose aujourd'hui de parler d'un compatriote congolais qui fait notre fierté. Il œuvre bien sûr dans le domaine du sport et c'est parce qu'il faut encourager de telles initiatives que nous avons voulu parler avec lui. En fait, nous voulons parler d'un équipementier qui finalement se montre beaucoup plus présent en Afrique. Il s'agit bien de Foura et Foura Afrique qui vient de signer un partenariat avec un club camerounais de renom, le Canon de Yaoundé. L'équipementier Foura n'est plus à présenter en République démocratique du Congo. Cette firme belge, en effet, a été révélée en 2016 en signant avec le FC Renaissance du Congo un partenariat. Et cela avait fait sourire certains qui ne juraient que par des grandes marques comme Adidas, Puma, Nike et que sais-je encore, sans savoir que très souvent et quasi tout le temps, il n'y a jamais eu des contrats entre ces firmes-là et nos clubs. C'est juste un représentant du club qui choisit une marque et le jeu des maillots aux couleurs de son club et ajoute le logo du club et c'est tout. Parfois même l'équipementier en question n'est même pas au courant de cela et ce qui est dommage. Mais nous vous parlons de Foura, un équipementier qui signe réellement avec des clubs et qui ne s'arrête pas là. Il ouvre également des boutiques afin de permettre aux nombreux fanatiques d'acquérir les mêmes modèles en symbiose, bien sûr, avec les joueurs et marcher tête haute, plein de fierté dans les rues en affichant très clairement ses couleurs. Ce qui nous intéresse, nous Congolais, dans cette histoire avec Foura Afrique, c'est le fait que c'est un compatriote congolais qui est le représentant en Afrique de cette firme belge. Il s'agit bien de notre compatriote Carlo Mundai qui vient encore de frapper un très très grand coup en redonnant de la valeur à un club de légende au Cameroun et d'Afrique bien entendu, le Canon de Yaoundé, un club qui porte exactement les mêmes couleurs que l'équipe nationale du Cameroun avant cette fameuse signature de partenariat. Foura était bien sûr déjà au Cameroun, comme vous pouvez le voir au travers ces images que nous vous proposons. C'était dans le club de Coton Sport de Garoua et club habillé en vert blanc, vous le savez très bien, vert blanc comme le dernier club monté en PMB de Kinshasa. Il y avait également le club Ofta de Kribi. Alors Carlo Mundai ne s'est pas limité qu'à l'Afrique centrale puisqu'il a également conquis l'Afrique de l'Ouest puisque Foura est également présent à Abidjan, partenaire de l'Africa Sport d'Abidjan, un club aussi connu en Afrique, même si actuellement le football ivoirien semble un petit peu accuser le coup, semble un petit peu prendre du retard, mais Africa Sport est un club très très connu et surtout par les Congolais puisqu'ayant joué beaucoup avec des clubs congolais, je me souviens aussi d'une rencontre de Coupe d'Afrique entre Africa Sport d'Abidjan et le Daring Club Motema Apembe. Et chaque fois que Foura signe un partenariat avec un club, cela s'accompagne bien sûr avec la création d'une boutique qui permet au club de générer aussi des revenus en vendant des équipements assez fanatiques, assez nombreux supporters. Alors il faut également noter que Foura en République démocratique du Congo n'avait pas séduit que le FC Renaissance cher à l'évêque Pascal Mukuna. Il y a aussi un des grands clubs de la République démocratique du Congo, actuellement l'un des deux meilleurs clubs du pays, l'AS Vita Club, qui est en partenariat avec cette firme, avec Foura. Et l'ASV Club d'ailleurs qui venait de battre au Soudan Al-Merir par 1-4 et qui va jouer très bientôt d'ici quelques 2-3 jours contre Al-Ahli d'Égypte. Ce sera au Caire dans le cadre de la Champions League africaine de cette saison 2020
2021. Donc, Foura a connu au moins deux grands clubs ici, hein, surtout un des plus grands, c'est l'ASV Club. Mais le club qui a permis à Foura, en tout cas, de conquérir hein, le marché congolais, le marché quinois, c'est bien le FC Renaissance qui avait en tout cas changé sa façon de voir les choses, sa façon de s'habiller. Parce que, comme on a dit trop souvent, les clubs que nous connaissons peuvent s'habiller en Nike, peuvent s'habiller en Umbro, peuvent s'habiller en d'autres marques bien connues, mais ces équipementiers-là, en réalité, n'ont pas de contrat avec ces clubs-là. Donc, c'est un achat qui se fait comme un supporter qui va acheter une vareuse hein, aux couleurs de son club, mais ce n'est pas dans le cadre d'un partenariat. Mais Foura vient avec une autre philosophie, vient avec une autre approche hein, qui permet au club, au travers ce partenariat, de se faire aussi de l'argent et de renflouer leur caisse en vendant justement des équipements. Et c'est ce que nous voulons en tout cas avoir. Et tant mieux. Et ici, il s'agit aussi d'un compatriote congolais qui en est en tout cas le représentant en Afrique. C'est aussi une fierté pour nous. Voilà pourquoi nous disons donc bravo à notre compatriote Karl Mundai, hein, un liégeois d'adoption qui fait la fierté de la République démocratique du Congo et bien sûr de toute l'Afrique, puisque Foura est en train en tout cas de s'excentrer en Afrique. Et après l'Afrique centrale, c'est maintenant le tour de l'Afrique de l'Ouest hein, avec la Côte d'Ivoire, l'Africa Sport, je l'ai dit, et nous espérons que Foura pourra aller beaucoup plus loin encore. À noter que la boutique Foura du canon de Yaoundé se situe à Yaoundé, pour ceux qui connaissent bien cette ville, hein, entre le carrefour Belibi et le carrefour d'Anguissa. Voilà tout ce que nous avons voulu partager avec vous. Hein, ce nouveau partenariat signé par Foura Afrique avec un grand club camerounais, le canon de Yaoundé. Et nous avons voulu en tout cas échanger avec vous sur ça parce que le représentant de Foura ici en Afrique est un compatriote congolais, Karl Mundai. Et ce dernier avait bien commencé par la République démocratique du Congo, comme on a toujours dit. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Et Karl Mundai avait respecté cela puisque c'est avec le FC Renaissance que Foura avait commencé son partenariat. Je pense que cette expérience hein, était aussi bonne. Hein. On avait vu en tout cas les supporters de FIBO, comme on aime bien appeler ce club cher à l'évêque Pascal Mukuna, s'habiller en tout cas aux couleurs de leur club, hein, même si ces derniers temps, il y a quelques problème au sein de cette équipe. Hein. Il faut noter aussi qu'avec cette pandémie à Covid-19, hein, le public est interdit d'aller au stade et donc on ne sait pas vraiment avoir ce public habillé à ses couleurs. S'il y a un club hein, dont le public était très très nombreux à s'habiller aux couleurs du club, c'est bien le FC Renaissance. Et je pense que cette expérience de Foura avec le FC Renaissance a produit les effets puisque l'ASV Club également a rejoint ce partenariat avec Foura, et Foura aussi s'est excentré et est allé au Cameroun et même en Côte d'Ivoire. Donc bravo à cette firme hein, qui a fait confiance au club africain, et nous espérons que les clubs africains aussi et d'autres africains pourront entreprendre de telles initiatives hein, et pour permettre en tout cas aux clubs africains de pouvoir s'habiller dignement, correctement et aussi à des prix hors concurrence, parce que les clubs africains n'ont pas autant de moyens comme les clubs européens qui peuvent se permettre d'avoir des grandes marques comme équipementées. Tout dépend seulement de la qualité, et Foura offre une bonne qualité et c'est et tant mieux. Voilà ce que nous avons voulu vous proposer. Si vous avez aimé, laissez-nous un like. Vous avez une opinion, un point de vue à partager avec nous, laissez-le nous dans un commentaire. Merci aussi de vous abonner à cette chaîne DMTV. N'oubliez pas d'activer la notification en cliquant sur la petite cloche que vous verrez apparaître une fois que vous serez abonné. Merci encore une fois à vous qui nous avez suivis. Un détail de plus, hein, sachez que d'ici peu, d'ici le 1er mars, DMTV Sport va se muer en DMTV Info. Pas de panique, le sport aura toujours une place de choix. C'est notre passion et nous savons que c'est aussi votre passion. Encore une fois,
Merci à vous d'avoir partagé ces quelques instants. Nous savons que votre minute est très, très précieuse pour... merci en tout cas, et nous espérons en tout cas vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.